Dans les champs, ils semblent se volatiliser les uns après les autres. La fauvette, la perdrix rouge, mais aussi l'alouette, l'espèce pourtant la plus répandue. D'après un rapport annuel du CNRS, un tiers des oiseaux ont disparu des campagnes françaises en l'espace de 15 ans, comme l'explique ce chercheur qui recense leur population dans les Deux-Sèvres. Donc on a perdu un tiers des effectifs de l'espèce la plus abondante, et des espèces moins abondantes ont perdu encore plus d'effectifs, comme les perdrix par exemple. On a enregistré des déclins de 80 à 90%, donc 9 individus sur 10 ont disparu en l'espace de 20 ans. Et si les oiseaux se font plus rares, c'est parce qu'ils peinent à trouver de quoi se nourrir. Moins de graines avec l'arrêt des jachères et 75% d'insectes volants en moins. En cause, l'agriculture intensive et l'usage des pesticides qui nuit à l'ensemble de la chaîne alimentaire. Tous les oiseaux disparaissent, mais il y a vraiment une population qui est vraiment en péril, c'est tous les oiseaux des plaines agricoles, là où il y a de l'agriculture intensive, là où il y a des pesticides. Vraiment le problème numéro un, les pesticides. La population d'oiseaux a réussi à se stabiliser dans le milieu forestier et urbain, mais avec un nombre d'espèces particulièrement faible.